che proprio sotto di noi vi siano i resti del tabulario, dell'archivio di Stato, come i decreti del Senato romano erano incisi sulle tavole bronze. Questa edizione, siamo certi, offrirà, grazie alla Rex Magistralis del Mannardì e degli altri illustri professori, nuove e importanti riflessioni alla platea degli studenti e degli studiosi che affolleranno per tutto il giorno là. A tutti voi il più sincero e proficuo augurio di buon lavoro. Grazie. Vorrei ora pregare per un saluto il dottor Nicolò Cavalcanti di Verdicano, che è il presidente dell'Associazione Silvia Santa. Buongiorno, grazie a tutti i convenuti, grazie alla professoressa Maspati che ci ha onorato per la sua presenza. Voglio puntualizzare che questa quarta edizione di Campidoglio è la sesta in assoluto che si realizza questa piccola associazione, che per merito della passione dei giovani che lavorano su questo progetto e dei tanti professori che ci hanno accompagnato negli anni, sta diventando una tradizione romana, posso dire, abbastanza importante e ambita in qualche modo. Ci sono aspetti emotivi forti per me nel rappresentare questo evento, che oltre alla natura evidentemente scientifica rappresenta anche un fattore affettivo importante. Abbiamo l'onore di vederci riconosciuti dal Comune di Roma in una sede istituzionale, quindi l'aver portato questo premio in sede istituzionale ci ha permesso anche una diciamo internazionale, che vorrà essere sempre maggiore e sempre più importante. Io, ringraziando tutti, lascio la parola a un ospite d'onore importantissimo che ci ha concesso la sua presenza in nome della professoressa, che è l'ambasciatore di Francia presso lo Stato italiano, Sua Eccellenza Alain Delon, a cui lascio ovviamente la parola. Grazie. Voilà, en tout cas, c'est d'abord mon honneur de
sempre stato, una sono ex padinese, aula universitaria, et indiqué que messieurs, la dimension internationale de la recherche en droit, ce que l'OCRE est évidemment est votre présence, une parfaite législation. Je note que d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de rencontrer hier soir, beaucoup sont bien de différents pays européens. Moi, bien cette dimension internationale, cette rencontre, cette colloque, mais c'est évidemment ce qui va être la remise du prix international Célia Santano, qui a été remis à 5 reprises à des personnes non italiennes, et cette année à vous-même, madame la professeure Mireille Delmas-Marty. Permettez-moi bien sûr de vous féliciter très chaleureusement. Il ne m'appartient pas ici de retracer votre carrière, je crois que ça sera plus tard dans la matinée. Les loges seront faites dans la matinée, mais je voulais vous dire au nom de la France que je présente ici, et à mon personnel, l'admiration, l'honneur que nous avons à vous avoir ici, l'admiration pour le parcours académique, pour vos recherches, et chez beaucoup de vos anciens étudiants, beaucoup de ceux qui vont vous entendre, et y compris ceux que moi, sur le terrain, ont eu à être confrontés à des dans lesquels les principes que vous aviez montrés étaient valables. L'influence que vous avez exercée sur le cours de la législation et sur le cours de la doctrine, qu'il s'agisse de questions pénales ou constitutionnelles, non seulement grâce à votre enseignement et votre éducation, mais aussi à travers les très nombreuses missions d'expertise et de conseils qui vous ont été confiées par les plus hautes autorités de la République. Au-delà de votre personne, bien sûr, ce choix de cette année de prix international Célia Santano est un honneur et une source de fierté pour notre pays. Et je me réjouis que j'ai pu l'entendre encore hier soir pour continuer vos travaux, vos recherches, et tout particulièrement sur les métamorphoses à l'international. Je pense que vous en direz un mot tout à l'heure dans votre leçon magistrale. Mais je me réjouis également qu'au cours de ce colloque, les prix soient remis deux bourses d'études Célia Santano à deux étudiants doctorants prometteurs de l'Université de la Sapienza. C'est évidemment une très bonne initiative, à la fois d'honorer le talent reconnu avec la professeure Delmas Marty, mais également le talent naissant avec ces deux étudiants. Et c'est évident que pour la formation des jeunes chercheurs, évidemment, un levier crucial, si nos pays d'Europe peuvent continuer à jouer un rôle de premier plan en matière de recherche. La France, comme vous le savez, en fait un objectif prioritaire de sa politique de recherche, dont l'une des formes concrètes est, par exemple, le programme de bourse proposé par notre ambassade, un poste doctorant italien. Dans le même ordre d'idée, je voudrais rappeler que chacun sait que beaucoup d'étudiants juristes participent aux échanges d'Erasmus, dans lesquels nous savons que l'Université La Sapienza est très impliquée grâce à une vingtaine d'accords passés à des universités françaises, parmi lesquels figure un accord de double diplôme avec l'Université Panthéon-Assas. Voilà, je m'arrête là, je vais l'initiative de cette rencontre, de ce colloque, à nouveau redire le bonheur de la présence du professeur Delmas Marty. C'était de très bons travaux et vous dire qu'avec le magistrat de liaison, Madame Duranton, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt vos travaux et les conclusions qui en sont tirées. Merci encore. Che in questi giorni si sta proiettando a Roma,
fino a lei tutti i nostri desideri, la storia è incentrata paradossalmente sul problema dei diritti umani. La vicenda è piuttosto semplice. Si tratta del cosiddetto ricorso al credito per il consumo. Questi due giudici francesi cercano di tutelare la persona debole nei confronti delle organizzazioni finanziarie e bancarie. Ma la Corte di Cassazione francese annulla i loro provvedimenti. E si pongono un problema: come possiamo tutelare questo soggetto debole? Si guardano e dicono: ma forse l'Europa ci può aiutare, però devono riconoscere una cosa: non sappiamo niente del diritto europeo. Lo studiano, fanno un ricorso a Strasburgo e vincono. Questa è la storia. Che il cinema si stia già occupando del diritto sovranazionale, può essere un problema francese interno a quel paese, le polemiche contro le banche, questa è la parte, diciamo così, più meno seria. Mi interessa invece dire un'altra cosa. Noi dobbiamo essere grandi, noi non ci sono generalisti, ma un magistrato probabilmente corrotto, che è riuscito a ottenere un risultato processuale a Strasburgo, mi riferisco a Drassic, che ha profondamente innovato le vicende processuali italiane. Dobbiamo essere grati a un signore ungherese che ha vinto un ricorso a Strasburgo e ci ha fatto cambiare la nostra legislazione in materia di contumacia. Forse dovremmo essere grati, o saremmo grati, al nostro bravissimo signore Moldavo, che ci è del tutto sconosciuto, il quale sarà o cambierà le regole del giudizio di secondo grado, del giudizio d'appello, perché su appello del pubblico ministero che porterà ad una condanna per Strasburgo, per quel cittadino Moldavo, che non è solo il cittadino Moldavo, bisognerà rinnovare interamente il dibattimento di secondo grado. Risentire tutti i testimoni, riacquisire integralmente le prove. Voglio dire questo: i diritti umani non sono più un problema nostro, sono un problema che, per la cui soluzione l'esito può venire da qualsiasi parte dei 46 paesi. È qualcosa che sconvolge spesso, perché quella giurisprudenza che riguarda quel caso che noi non abbiamo avrà delle ricadute all'interno del nostro sistema processuale. Ecco, io credo che noi non abbiamo ragione. Che ha saputo guardare nel futuro che noi oggi viviamo quotidianamente. Grazie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais adresser mes plus vifs et sincères remerciements au Président, aux membres de l'association Sylvia Sandalo, pour le merveilleux accueil qui nous ont réservé et pour la magnifique organisation de cette dans des lieux tous plus superbes et mythiques, les uns que les autres. Je voudrais également les remercier d'avoir songé à associer l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne à cet hommage rendu à Mireille Delmas-Marty. Sur le chemin académique et scientifique de Mireille Delmas-Marty, l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne n'a été qu'une étape de tout son temps. De 1990 à 2002, mais une étape fondatrice pour l'Université Paris 1, tout comme elle fut au sentiment de Mireille Delmas-Marty elle-même une étape décisive dans son œuvre personnelle. Pensée et action cheminent toujours de concert chez Mireille Delmas-Marty, et les années Paris 1 de Mireille Delmas-Marty ont vu la concomitance, je dirais plus encore le croisement de ses projets institutionnels pour l'université et des perspectives de sa recherche personnelle. Dans son œuvre, les années 1990 constituent une période charnière où l'on voit se cristalliser l'ensemble de ses recherches antérieures et aussi se dessiner les voies annonciatrices de celle d'Éric Delmas-Marty. Marty devait suivre ensuite dans son cours au Collège de France. Et trois ouvrages majeurs marquent cette période, Pour un droit commun, Vers un droit commun de l'humanité, Trois défis pour un droit mondial. Comme autant d'outils et de jalons
sur le chemin de ce que seront ensuite ces forces imaginantes du roi. Des jalons qui vont aussi porter les créations institutionnelles réalisées par Mireille Delmas-Marty au sein de l'Université Paris-Saint-Denis et au Sorbonne. La création d'abord du DEA, le droit pénal et politique criminel en Europe, que certains ici connaissent bien pour l'avoir suivi, dont l'intitulé seul déjà était la manifestation de la volonté de rompre l'isolement du droit pénal pour l'ouvrir vers d'autres disciplines et pour l'inscrire dans d'autres horizons que des horizons purement internes, ouvrant la recherche à l'international, à l'européen, démarche qui a aussi été renforcée par la création de l'Association de recherche pénale européenne, qui fut le support de nombreuses recherches, et notamment du corpus juris. La création ensuite de deux institutions vouées à la recherche, l'UMR de droit comparé de Paris, qui regroupe une dizaine de laboratoires de recherche au champ très divers, et de l'école doctorale de droit comparé. C'est une création simultanée qui était unique en France et qui manifestait la merveilleuse prescience qui caractérise Mireille Delmas-Marty. La composition en effet de ces deux institutions, regroupant notamment des comparatistes et des internationalistes, non seulement a permis un enrichissement des méthodes et des savoirs, mais encore montré la justesse de l'alliance du droit comparé et du droit international lorsqu'il s'est agi de tenter de penser le paysage juridique face aux défis de plus en plus pressants de la mondialisation ou renouveler des crimes contre l'humanité. Durant cette période de 12 ans, les travaux personnels de Mireille Delmas-Marty et les travaux collectifs, notamment de l'UMR, se sont ainsi entrelacés, mutuellement fortifiés. Pour preuve, les premiers travaux, les premières rencontres de l'UMR traitaient du droit commun, et ces variations autour d'un droit commun constituent les deux premiers ouvrages d'une collection qui maintenant compte à peu près une quarantaine de publications. La force positive de Mireille Delmas-Marty, son aptitude à mobiliser sur des projets communs, ont ainsi ouvert une voie fructueuse de recherche à l'Université de Paris. Car l'un parmi les immenses mérites de Mireille Delmas-Marty que d'autres ont à dire tout à l'heure est de faire trace. Une trace qu'elle a évoquée lors de sa leçon inaugurale au Collège de France lorsqu'elle rappelait son bonheur d'être accompagnée de jeunes chercheurs, comme une immense famille dont la présence aux quatre coins du monde me donne confiance, disait-elle, car ils sauront continuer à faire la trace et à inventer la suite du chemin. Une trace qui est espérance, une trace, nous le voyons bien, qui est déjà réalité. Que ce soit en Europe, en Italie par exemple, aujourd'hui ici, en Chine, en Iran, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, nombreux sont en effet ceux, anciens étudiants du DEA de droit pénal, de politique criminelle en Europe, anciens chercheurs de l'UMR ou de l'ARP, qui ont appris le mérite de Delmas-Marty. La patience obstinée du juriste, le goût de l'exploration des chemins à venir, la capacité, voire l'âge de rêver, l'esprit de résistance, la certitude qu'il ne peut y avoir que l'émission de la conscience. Faire lever les idées tout en semant les graines de l'avenir. Tels sont les défis que Mireille Delmas-Marty s'est à elle-même lancée. Et ce faisant, elle a donné notamment à l'Université Paris 1 les outils, les méthodes, l'esprit lui permettant d'être l'un des lieux où pourrait continuer à vivre ses défis. Qu'elle en soit ici profondément remerciée par la voix de l'une de ceux, de celles, qui durant cette année l'ont modestement accompagnée et qui partage avec elle l'espérance de nombreux chemins à encore explorer ensemble et l'espoir que l'Université Paris 1 saura conserver et faire fructifier ses trésors d'invention et d'humanisme.
Yahweh.